tellement de courbatures. Aujourd'hui n'a rien d'un grand jour, du moins pas un jour extraordinaire niveau agenda, rien de spécifique de prévu. Mais aujourd'hui est un jour de décision. Vous savez, le genre de dilemme et de décision qui définit un peu vos priorités et qui vous êtes dans la vie, c'est un peu ça aujourd'hui. Mais la chose la plus importante dans ces choix et ces décisions-là, c'est d'être sûr de celui qu'on prend et de le prendre parce qu'il correspond à notre personnalité et à la personne qu'on a envie d'être et de s'y tenir sans jamais revenir dessus en se disant « Ouais, mais si j'avais fait un autre choix ?» Alors non, je ne suis pas sorti uniquement cet après-midi pour vous dire ça. Je suis sorti aussi pour enfin aller déposer mon casque Beats à la poste pour qu'il reparte à Amazon, que je puisse être remboursé et en racheter un neuf. Merci la loi européenne. Et ensuite, je suis sorti parce que demain, l'équipe de foot de Belgique vient s'entraîner à Chaban pour l'Euro et l'entraînement est ouvert au public. La clim était tellement bruyante et inefficace dans ce bus. Un enfer. C'est donc gratuit, mon seul problème étant que il faut retirer des places à l'avance, entre guillemets, à un guichet et que je ne sais absolument pas où ça se trouve. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Absolument pas ce coin, c'est très paisible, très joli et ça a l'air très très riche. C'est sérieusement intenable des chaleurs pareilles dans des transports. J'ai même dû descendre un arrêt plus tôt pour pas me liquifier. TBC, enfin TBM maintenant, je m'adresse à toi. Par pitié, la chaleur arrive, vérifie les clims et fais-les fonctionner. Et sinon, le vendeur que j'ai vu hier chez Tesla avec qui j'ai beaucoup discuté. Si vous avez pas vu le vlog d'hier, je vous le mettrai là où je suis allé voir donc la Model S. Il m'a rappelé ce matin en me demandant si je voulais fixer une date pour aller essayer la voiture. Alors, ça fait partie de la politique de la marque, c'est pas du tout pour essayer de me vendre ou quoi, puisqu'hier, comme on a longtemps discuté, je lui ai répété à plusieurs reprises que je n'avais pas le budget, que c'était vraiment par curiosité. Mais c'est la politique de la marque de faire essayer, tout le monde a le droit d'essayer la voiture, acheteur ou pas. C'est aussi pour ça que j'aime cette marque, quand il m'a expliqué tout le fonctionnement de l'entreprise, j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Je suis déjà ultra excité, voilà, j'avais intérieurement très très envie d'aller l'essayer. Là en plus bon, c'est lui qui me rappelle pour le proposer, donc c'est vraiment super cool, ce sera sûrement la semaine prochaine, donc génial. Et sinon, à part ça, dans la journée, tout ce qui reste à faire, eh ben, c'est d'aller faire les courses. Rien de très très excitant, n'est-ce pas? Voilà, essayer de trouver mon programme de ce soir, parce que j'ai un gros souci avec mes programmes du soir, entre toujours voir un film, mais une demi-heure après ne toujours pas savoir lequel, et finir par toujours regarder quelque chose que j'ai déjà vu, ou trouver une série. Mais en ce moment, à part Stargate SG-1, j'en reviens toujours à ça, parce que pour le moment, on n'a rien fait de mieux. Donc voilà, pas une fin de journée super excitante, on va aller faire les courses, et puis après, advienne que pourra. J'avais oublié que j'avais le montage de la vidéo à faire. Du coup, vu l'heure qu'il est déjà,
Ce sera encore un épisode de Stargate, quoi. Valeur sûre. Rendez-vous demain, la Belgique.